centrale gardée par ces trois tours que vous pouvez voir derrière moi, la tour de la Lanterne, la tour de la Chaîne et la tour Saint-Nicolas. On va aller les voir tout à l'heure. Et nous sommes ici aujourd'hui pour un tournage vidéo sur cette ville et notamment son cœur historique. Et vous allez voir que à travers ces rues étroites et chaleureuses, on peut découvrir plein de choses, plein de monuments, d'architecture, d'histoire. De gueule au vaisseau d'or, habillé d'argent, voguant sur une mer de sinople, La Rochelle, une ville belle et rebelle. La tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne sont la porte d'entrée du vieux port, autrefois gardée par une grande chaîne tendue entre les deux tours. Les seuls vestiges, avec la tour de la Lanterne, de l'enceinte médiévale du XIVe siècle, détruite par Richelieu lors du siège de la ville en 1628. La Rochelle, ayant toujours été une grande cité marchande d'import et d'export grâce au flux constant des navires, c'est par ici qu'ils rentraient dans le port, déposer leurs marchandises qui étaient ensuite transportées à travers la ville. La porte de la Grosse Horloge, juste à côté, située sur les anciens remparts médiévaux aujourd'hui disparus, était d'ailleurs la gardienne de la cité marchande. Et c'est par ici que les marchandises transitaient. Dans ces rues étroites, bordées de remarquables arcades vieilles de 400 ans, que passaient les marchandises. Direction le marché de la ville. Aujourd'hui, bien entendu, beaucoup de choses ont changé, mais les vestiges de cette époque sont toujours présents.
Nous voici dans le parc Charrier, un espace de détente, de découverte, un endroit pour respirer tout en étant encore dans la ville. Large de 200 mètres, il s'étend sur 2 km avec deux ruisseaux parallèles qui se jettent dans l'océan. Aménagé en 1887 sur 40 hectares, il est aujourd'hui classé. Et voici une autre porte, la porte des Deux Moulins, une porte qui était destinée seulement aux piétons. Nous sommes à la pointe des Minimes, au bout de la promenade Léo Ferré. Devant nous se dresse au loin le phare du bout du monde, une réplique de celui du Cap Horn, érigé en 1884 sur l'île des États et qui inspira Jules Verne pour l'un de ses romans. Ce phare, fait de bois et de forme octogonale, projette une lumière jusqu'à 26 km au large des côtes. Derrière cette tour, entre ses murs, La Rochelle a toujours gardé une âme belle et rebelle, une certaine liberté que seuls ceux qui y vivent peuvent connaître. La culture marchande à travers la ville a toujours été un poumon économique important. Son vieux port, lui, était et restera certainement le cœur nostalgique des familles de marins.